Salut, station fréquence, les bonnes surprises, c'est côté à vous tous de la part de Dandy 33 pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Attention, les stations fréquence pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Ok, ouais, j'avais le volume un petit peu bas, les 73 Ludovic, comment vas-tu? Ça va tranquille, j'ai un mal de chien à t'entendre, une matrice qui arrive comme par hasard de me donner une QSO, ça doit correspondre avec le début du film. C'est pas grave, j'arrive quand même à t'entendre. Et toi, comment ça va? Ben ma foi, tu vois, là je viens de passer la 2 semaines de vacances. Donc forcément, plus occupé que quand je suis au pro, à chier trois coups. Ça a été l'occasion de faire ce qu'il y avait à faire au QRA, plus dehors avec. Waouh, c'était sur module. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un jeune qui vient de rentrer en fréquence 73, Angèle, qui vient de surmoduler notre ami Rémi, mais c'est pas grave, j'ai l'impression que ça se passe bien fort. Ça fait plaisir si je surmodule, alors si c'est Rémi qui est derrière 73, j'ai changé mon mic puisque je l'ai reçu, donc ça veut dire que je passe à plein pot alors. Ça fait bien quoi, ça vient de me rendre compte que j'avais mal réglé un truc. Voilà, ça va beaucoup mieux, j'entends mieux. bah oui, c'est bien réglé tout ça, c'est bien réglé, retour Rémi, tu copies un jet. Mais moi là j'ai l'oreillette là dans l'oreille et je l'ai entendu justement via la voix BSDR, sinon il passe pas du tout au QRA. Hein. J'ai un peu de QRM aussi de mon côté. Hein. Alors j'ai le petit copier par le WebSDR également. Bon, on arrive à s'entendre, c'est déjà ça, facile. Ouais, ben je reprends le mic, ouais, mais j'ai reçu mon Astartic là, le 575, et bon, qu'il fallait que je recable, ça c'était parce que c'était prévu, hein. Bon, vu le prix que je l'ai payé, j'ai pu faire une petite modif, le rebrancher, refaire quelques petites soudures, et ça a l'air de fonctionner, puisque vous m'entendez. Ah, ça marche bien, j'aime bien la modulation, elle est percutante, je trouve, elle est percutante, peut-être plus oublie. Avec le mic précédent, c'est un peu moins doux, mais du coup c'est pas mal pour faire une vie, ça c'est plus percutant, j'aime bien. Puis bon, bah, c'est un petit peu plus tranquille, mais écoute, félicitations, un bon achat, à votre ami. Ouais, ben c'est ce que j'entends là via le WebSDR, et c'est vrai que là, il passe bien. Hein. Enfin, je veux dire que la modulation est bonne. Bon, je reprends. Hein. Donc, je viens de baisser. Ah ouais, là, je suis passé un peu plus aigu. Alors, attends. Je relâche et je reprends. Ah oui, il fait les réglages. Ouais, il arrive à passer un petit poil au QRA. Ouais. Vas-y, Eric, à part qui fait ses réglages, 73, retour. Ouais, 73 Dido, 73 Angèle, 73 Rémi, les bonnes amitiés, j'espère que vous allez bien, monsieur. 73, Eric. Ah, ok, voilà, ok, Angèle, vous voyez les 73. Les 73 tout le monde, bon, ben, ce soir, il y aura des news, plus un dossier. J'en dis pas plus pour le moment. Allez, il nous chauffe, j'avais une 73 de la station extra-écoute sur le WebSDR aussi. 2014, 8 heures Lima, 34-56, qui nous fait un coup de pouce, en fait. Coucou à toi. Bon, ce soir, je fais un essai de micro, je sais pas ce que ça donne. Je fais un test de micro, là. Je vous dis pas plus pour l'instant, là. C'est juste que c'est dégueulasse ou ça. Allez, retourne au micro, Angel. Moi, je vais te dire ce que ça donne, hein. Alors, je m'en plains les oreilles. Je m'incruste. Bonsoir à tous, c'est Fredo Saint-Morillon. J'espère que vous allez bien. Je suis à l'écoute. 73 Fredo. 73 Fredo. Ah, bah oui, les 73 Fredo, ils ont plaisir. Il y a de la basse, là. Il y a de la basse, là. Oh là là. Sentez-vous, là, derrière. Ah, ouais,
mais alors ça c'est pareil. Hein. Alors mon cochon, là, tu m'en mets pas les oreilles. Hein. Eh bien, je vous dévoile le texte, un micro encore à 15 balles de chez Bandit. J'avais déjà essayé il y a quelques temps, le frein droit fixé, la pédale marchant un peu mieux. C'est un micro canon, un micro directif, comme ça, si je parle devant, ben, vous m'entendez, et si je parle de côté, vous m'entendez du tout. Hein. Voilà, c'est pour éviter de ramasser le bruit dans la pièce. Et c'est le début de mon petit projet de micro, micro-nalure pour la voiture, voilà. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon, il va falloir que tu le développes. Bon, deux bonsoirs à tous, messieurs, hein. Je vois que tout le monde a répondu, Eric, au lointain, j'entends notre ami Eric, et puis toi, Angèle, toujours aussi petit, mais je t'entends, voilà. Bon, c'est un bon petit QST ce soir. J'arrivais un petit peu après 9h, je voulais arriver avant pour entendre Rémi nous faire notre, comment on appelle ça, là, le lancement. J'ai loupé ça, bon, mais voilà. À toi, Rémi. Les 73, ah oui, et puis par la même occasion, j'avertis, une vidéo est en cours, hein, comme à chaque fois. Donc Fredo, ce soir, là, j'aurai des news là, à balancer, mais on va attendre un petit peu. On va laisser bouillir un petit peu la marmite, on va laisser les gens s'impatienter un petit peu derrière, car il y a aussi un dossier là, là sur lequel on va parler là ce soir. Un truc que j'ai testé pendant toute la semaine... vous en saurez plus tout à l'heure. Je pense savoir de quoi il s'agit. Bon, on attend un peu alors, comme tu as dit. À toi, Eric. Ouais, mais 73 à tous, ouais. Mais bon, les news, je suis en train de me prendre la tête en ce moment avec la programmation de voilà, ce qui bas au sein, c'est Radio DC, là, le RD5R, là, en analogique et numérique. Alors, tout fonctionne, mais l'analogique, alors j'ai on m'entend, mais moi je ne reçois pas, alors j'ai un petit souci, voilà. Je suis en train de chercher, voilà. Qui a fallu la notice. Mais la notice elle est en anglais alors. Oups. Ah merde alors. Ok. Mais c'est un souci en. Attends, si j'ai bien compris, c'est en numérique que tu as le souci ou en analogique? Non, en analogique ça fonctionne impeccable, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en numérique, alors j'ai réussi maintenant, on m'entend, mais moi je n'entends pas la personne. Enregistrer le break. Ouais, j'ai entendu Roger Luc, moi, c'est rentré ça, oui, Eric était besoin de la traduction et pas de soucis hein, avec lui, hein, parce que tu peux m'envoyer à la rigueur des photos d'étage, ou s'il y a le document ce soir sur internet, et tu me dis où la récupérer, et puis tu me donnes les passages que tu aimerais bien voir, hein, sur lesquels tu aimerais bien avoir une explication, puis ben, je peux essayer de te traduire. Alors, c'est pas dit, j'ai été expliqué comment ça marche, mais au fait, c'est juste faire une traduction, ce sera à mon début. Ok, ouais, j'ai entendu des bits derrière, je sais pas si c'est ça que t'as entendu, Rémi. Les 73 du route, et puis 14-8-6-0, retour au break. Ici le break. Ah bah y'en a vu, 73, 73, Jeannot. Allez, on est au plus lointain, retour Jeannot.
Oui, là, c'est à la 73, là. Il n'y a pas Ering, là. 73, là, qui c'est, là? C'est Rémi? Oui, salut, Mano. Il y a tout le monde. Il y a Fredo, il y a Rémi, il y a Ludo, il y a Angèle, il y a tout le monde. Je vous envoie les amitiés à tous. Il paraît que tu n'étais pas content, Eric, là. Oui, j'étais... C'est moi qui ai dit ça, Eric. Excuse-moi, je t'ai pas répondu, là. J'étais sur Jean-Claude... Attends, oui, c'est moi qui vous dis. Du côté du 32, là, et alors Coyote, il m'a dit qu'il n'était pas content parce que tu l'as pas répondu. Alors je m'en excuse, Eric, hein, mais je t'ai pas entendu, là. Hein. Ne m'en veux pas, hein, Eric. C'est bon, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. Et quand on entend l'entente, on n'entend pas, puis voilà, c'est pas grave. Jean-Claude, par le port, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jean-Claude, n'aie pas peur comme ça, c'est que de la radio. Petit rappel, j'ai une vidéo qui est en cours, si ça dérange, je couperai cette portion-là. C'est pas parce que je parle, c'est pas parce que, salut Rémi, 73, salut tout le monde, c'est pas parce que je parle qu'il faut dire ça. Je m'en branle, moi, Rémi, tu peux m'enregistrer autant que tu veux, je m'en fous. Tu peux même me filmer, t'as dit que t'avais une caméra chez moi, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé les araignées, mais j'ai pas trouvé la caméra. Bon, mais non, mais tu peux enregistrer autant que tu veux, c'est pas moi qui porterai plainte, ne t'inquiète pas. Non, mais ma priorité n'est pas d'emmerder les gens, mais de promouvoir, redynamiser la CB comme je le fais depuis des années. Voilà, donc la moindre des choses, c'est que les personnes qui arrivent soient au courant, voilà, c'est tout. Oui, mais moi, je te demande juste un truc, Rémi, tu vas me parler sérieux, non, c'est vrai, je parle sérieux, là. J'aime bien les connards à la radio, je parle sérieux. Tu fais les enregistrements, je suis d'accord avec toi. Tu peux enregistrer, après tu les mets sur les sites, c'est ça, c'est ce que tu fais. Oui, en partage. Voilà, tu vois, j'ai même pas eu besoin de le dire. Sinon, ce que tu vas toucher, il y a intérêt à partager, là, parce que... Autrement, ça va chier. Allez, j'arrête de déconner. Allez, Jeannot, je te repasse le micro. Je te laisse parler à Eric. Oui. Écoute, je vais rester un petit moment avec eux, étant donné que là, maintenant, il y avait plus grand monde, là. Je vais leur repasser le micro, puis je m'excuse, là, un petit peu d'avoir peut-être perturbé un petit peu leur QSO, là. Alors, si Alfredo et Rémi, là, allez, retourne le micro. Fredo qui reprend. Bonsoir Jeannot, 73. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur la fréquence. Je t'écoute tous les soirs sur 73 là-haut. Et puis là, je me permets de reprendre le micro et te saluer sur le 175, voilà. Parce que c'est rare quand tu m'entends prendre le micro. Mais tu passes carton là, signal de 6 là, c'est impressionnant. C'est plein pour les gamelles et très 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 bon en radio. Et pour information, voilà, j'ai exactement le même appareil que toi. Donc si jamais tu as besoin de, comment dirais-je, des petits conseils, tu m'as compris, il n'y a pas de souci, tu me demandes, parce que moi je le connais très bien. Parce que je sais que toi, tu es un peu perdu avec ce genre de machin, plein d'options et plein de... appareil assez complexe, voilà. N'hésite pas, demande-moi, je me ferai un plaisir de te répondre à ce sujet-là. Voilà, je fais tourner, à toi Ludo. Oui, mais je te remercie, là. Je te remercie et je peux te dire que ça sera peut-être avec grand plaisir, là, parce que je m'en sers, je l'ai réglé comme j'ai su, comme j'ai pu, avec la bonne volonté d'un, avec la bonne volonté de l'autre. Et puis, bon, j'essaye de faire comme je peux, là, mais je ne suis pas des plus dégourdis ni des plus malins pour régler tout ça. Et je te remercie, là, c'est pas impossible que je te demande des conseils, là. Voilà, allez, je repasse et je fais tourner là. Je sais pas, à toi Eric. Ouais, attends, il y a Philippe qui était là aussi. Philippe, vas-y à toi, 73. Je l'ai entendu tout petit, moi, et j'ai là, et tout petit. Ah, ils sont dans le trou, moi je les entends pas.
tu m'entends. Il y a Philippe et Angèle qui ont mis les enfants de Rita, ils sont sur ce mot. Voilà, un peu bas, donc je ne sais pas si ça porte jusqu'à Cotonou. Voilà, au cas où je préfère laisser donner l'info correctement. Histoire que je ne pense pas que tu crois pas que tout le monde est parti et que personne ne parle. Je vais faire 13 séries au passage et puis je vais faire tourner. Hein. Il n'y a pas de problème, de toute façon, oui, jamais il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Donc avec plaisir. Voilà, je fais tourner sur lui. Ok, bon, je pense pas qu'ils m'entendent. Les 73 Philippe, Angèle, je sais plus, les 73 Angèle. Mais bon, là, Philippe et Angèle, je les écoute via le web SDR. Pendant que j'y pense, Ludovic, as-tu travaillé un petit peu sur le web SDR cette semaine? Parce que là, le dimanche dernier, j'avais fait une bande son là, de 3/4 d'heure là, que je voulais utiliser, recouper et ainsi de suite. Et je me suis retrouvé au bout du compte avec un fichier qui a fait quoi? 256 octets. Hachis. Là, pour le coup, c'était un petit peu léger, quoi. Et en plus, l'extension MP3 dessus a disparu. Donc ça donne un fichier sans extension. Je vais prendre ta question juste après. J'ai oublié de saluer Philippe 73, c'est parce qu'il a fait 73 à toi. C'est une bonne soirée, il va bien se rafraîchir. Non, j'ai rien oublié, rien dans le paramétrage ou quoi que ce soit. Donc il est mis devant un bon lieu, j'en connais pas du tout l'origine. Voilà, je connais le simple plus tard, voir si ça fonctionne. Peut-être que c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, Andy, à ce stade de l'investigation, voilà. Ok, bon, je verrai bien tout à l'heure ce que ça donne. Ouais, tout à fait. Allez, vas-y, Eric. Ouais, je retourne, j'avais une urgence sanitaire, désolé. Pas de problème. La minute subsite. C'est ce qu'il y avait, Eric. Il y avait la piquette qui colle. Ah, ouais, c'est possible. Ouais, bon, allez, Rémi, on t'écoute. Et Jeannot, tu ne t'entends pas, une fois que tu viens sur la fréquence, fais-toi entendre, moi, parle-leur des ballons, je sais pas moi, des ballons de Pied-de-Vise, on fait rien, hein. Non, j'écoute, moi, j'écoute. Je suis arrivé là un petit peu tout oublé, là, et je veux pas quand même tout perturber, là. Je sais pas, je vais demander à Ludo, là, si c'est Angèle ou Philippe, il y en a un que je copie tout petit, là. Je crois que c'est Angèle, là, ça. Ok, Ludo? Après, je vais pouvoir te dire, mais en tout cas, si tu veux nous parler de ballon, il n'y a pas de souci, hein, c'est du bruit sur la fréquence. Hein. C'est du bruit sur la fréquence, pas de problème. Je retourne le micro à Angèle, justement, parce que tu vois si c'est lui que tu entends de Maïs, c'est lui. Vas-y, toi, Angèle. Eh, attends, je reprends vitesse. Ludo, salut Ludo, quand même. Qu'est-ce que t'as fait? T'as changé de micro ou quoi? Ouais, je fais un essai d'un truc là, que j'ai acheté sur Bamboo d'Apacher. C'est un micro canon, c'est un truc qui est directif là, pour éviter de ramasser le bruit dans la pièce. Voilà, donc je fais un essai. Ouais, non, moi c'était pour savoir. Alors moi je vais te donner mon avis, c'est de la merde. Remets ça dans ton micro, parce que ça passe vachement plus fort, on t'entend vachement mieux l'anglais que tu parles dans le sac. Donc après, voilà, c'est normal, tu fais un essai, c'est normal. Je te dis ce que j'en pense, après tu fais ce que tu veux. Après les autres, ils te diront ce qu'ils en pensent, mais moi, pour moi, ça, tu vois que je savais que tu avais changé quelque chose. Voilà, je te le dis, moi c'est pas méchant, hein. Peut-être un peu près du truc aussi. En tout cas, pas de soucis, merci pour les retours, parce que c'est sûr que si personne ne dit rien, qu'est-ce que pas de savoir si c'est de la merde ou pas. Je parle un peu moins après, là, donc c'est un peu mieux de dire. Voilà, je switcherai tout à l'heure sur l'autre micro, voilà. Pardonnez-moi pour vos petites oreilles. Est-ce que t'as entendu la situation, là, juste avant moi, Jeannot, là, qui parlait, c'était Angèle. Jeannot, on t'a parlé.
Là, Angèle qui parle. Oui, je sais, j'entends. Ok. J'ai de ce nom. Compréhensible, clair et net là, mais c'est petit là. Alors, je t'ai eu copié quelquefois, Angèle là, ça marchait mieux là. Bon, c'est pas grave, hein, mais peut-être que la propague est pour beaucoup là. Ok, Angèle. Tu m'as réveillé. Ah, attends. Attends, il y a quelqu'un qui a repris ou pas, hein? Non, il n'y a plus, Angèle. Tu sais, j'entends parler derrière. C'est Angèle qui parle. Ça, c'est le problème quand on ne s'entend pas, quoi. Bah, c'est bon, tu peux y aller, il a arrêté. Ok. Alors, donc les news. Alors, attends que j'essaie. Alors, ce week-end, du 11 au 16 septembre, il y a l'ICOM France au Watching Festival. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont sur la Côte d'Azur, parce que ça se passe à Cannes. Alors, attends que je pose ça. T'as assez entendu. Voilà. Du côté de l'Espagne, du 15 au 16 septembre, il y a Liber Radio à Villal, en Espagne. Alors, après, il y a l'Open Mic Night sur le canal 37 USB au Québec. Donc, autrement dit, là, ils vont passer là toute la nuit, là, du samedi 15, là, en fréquence. Ah, il reste encore une news, où là c'est plus carrément un dossier. Je vais la laisser mijoter encore un petit peu celle-là. Je retourne le micro, ben, qui voudra le prendre. Et que, attends, j'ai pas compris, j'ai l'écouteur dans une oreille, attends, je sors l'écouteur pour mieux entendre. Ouais, je disais, c'est les news de la radio que tu disais, là, pour les trucs qu'il va y avoir à la radio. Alors là, ce week-end, alors là, j'ai parlé, là, de j'ai annoncé ce qu'il y avait à Cannes, après en Espagne, après au Québec. Et il reste encore une news là que je vois, il y a du monde là sur le WebSDR. Je laisse mijoter un petit peu là pour la grosse principale. Ok, non mais c'est ce que
que j'avais compris, voilà. Alors moi, je fais une petite annonce en vitesse, voilà. Nous, ce week-end, on organise un barbecue au lac des Aguets à Libourne. Voilà, au lac des Aguets à Libourne. Voilà, on organise un grand barbecue pour tous ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Alors déjà, il faut qu'ils amènent le pain, les entrées, les merguez, les boissons, l'apéritif. Bon, venez nombreux parce que on a fait ça il y a 3-4 week-ends de ça. Mais il y en a qui ont oublié de porter le rosé, il y en a qui ont oublié de porter le rouge. Alors on était en difficulté quand même. Alors s'il y en a qui peuvent venir ce week-end, là, ça serait sympa. On pourrait manger à l'œil au moins. Je plaisante, je déconne. Je porterai le sarman. Merci, Jeannot. Et l'essence pour faire brûler tout ça? Aïe, aïe, aïe. Faut bien déconner un peu. Ah ben je viens de te dire, l'essence mélangée au gasoil, le tout mélangé au gaz. Et ça, c'est juste pour allumer le barbecue. Putain, mais... Non, après, c'est trop quand tu veux. Bon, Jeannot, t'amènes le sarment. Aussi-là. Sarment et le gasoil pour allumer. Allez, on fait pas un barbecue au gasoil, quand même, gros. Le gasoil, c'est pour le côté goûteux de la viande, après. Ah, pour qu'elle soit bien juteuse. Ah, dis donc, viande, là-bas, il y a une chier de moustiques. Je pense qu'il faut se faire des brochettes. Hein. Où c'est qu'il y a des moustiques? Pas sur le côté plage, mais sur le côté en face. Là, il y a une espèce de fossé. Et la dernière fois que je suis allé nous balader, on s'est fait dévorer, tout simplement. Tiens, il y a 14 Victor Lima 3456 qui nous suggère d'amener l'Armagnac avec. Il a raison, mais il faut qu'il apporte deux bouteilles. Parce que déjà, une bouteille d'Armagnac pour flammer la viande et une bouteille d'Armagnac pour boire dans le café. Alors, une autre station de couscous. Dis-nous, tu disais où ça? Bah, le lac que tu disais, le lac des Aguets, là, je sais pas quoi, là, à Libourne. Là. Ouais, t'as vu un ruisseau à côté du lac des Aguets, toi? Ah, ben, tu me diras où c'est qu'il est, alors. J'habitais juste à côté, moi. Ouais, je sais, je suis passé devant chez toi, d'ailleurs, au retour, tu vois, j'ai pas fait exprès, et j'ai dit, ah, bah, tu connais ces antennes? Non, je parle d'un ruisseau, il y a un fossé, j'ai parlé d'un fossé, il y a le chemin qui fait tout le tour, là, et... Je parle du truc rectangulaire, la partie rectangulaire, là, tu sais, où il y a des. Je pense qu'ils font des courses de bateau là. Derrière, il y a un fossé qui était blindé de moustiques à cet endroit-là. Alors ça venait peut-être pas de là, on a remarqué, voilà. À la positionnée, je me suis fait manger. Ah oui, parce que t'as pas été du côté. Oui, parce que c'est là où ils font de l'aviron, là, où ils font les championnats du monde d'aviron. Là. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais là, c'est pas. Parce qu'il est grand le lac, je sais pas si t'as fait le tour, t'as vu, c'est balèze. Ah ouais, il y a un côté qui est pas trop entretenu que l'autre côté, ouais. Bah là, faut pas y aller, là. Ah, j'ai pas eu l'occasion de faire le tour, mais on a fait à peu près la moitié, c'est déjà bien assez long. Je suis pas un grand marcheur, moi. Mais le lac, il fait plus de 3, c'est 2 km ou plus de 3 km si tu fais le tour, ça fait plus de 2 ou 3 km, je m'en rappelle plus. Bon, je sais pas, mais enfin, en tout cas, ça paraît grand. Ouais. on a pas eu le courage, en plus, on était avec les gamins, donc même pas la peine. Là, je te signale que je vais te le dire, t'as changé les micros, là. Ouais, j'ai un micro, ça, je voulais pas non plus vous exploser les oreilles toute la soirée, donc je me suis dit quand même, je vais en mettre l'autre. Non, c'est pas que ça explose, non, pas du tout, Ludo, c'est pas que ça explose les oreilles, mais t'as une voix, et ça te fait une voix, on dirait que tu parles dans un sac. Là, ça te fait la voix étouffée, vachement étouffée. Ouais, je sais pas comment entendu les autres, mais là, je reconnais, je connais ta voix quand même, je savais que c'était toi. Mais ça te faisait une voix bizarre, étouffée. Là, tu vois, là, celui-là, il passe vachement mieux. Voilà. Alors, on va passer le micro. Avec votre permission, je repasse le micro à Jeannot, parce que Jeannot, c'est pas un gars qui veille trop tard, parce que demain, on est samedi, et
rendre demain, et parce qu'il faut qu'il m'en ramène chez moi pour parce qu'il faut que je fasse le père de Palombe. Allez à toi, Jeannot. Ouais, ok, je te remercie là. Pour les Palombes, m'attends encore. Et le passage, c'est octobre et novembre là, et pour moi. Alors, on est encore. Il faut encore que j'aille, je ne suis pas comme Bernard, et lui il y va depuis longtemps, mais lui il chasse, c'est un grand chasseur, tandis que moi je suis plutôt un bricoleur qu'un chasseur. Enfin, chacun s'amuse à sa façon là. Voilà, bon allez, je vais passer sur Eric là, parce que je trouve qu'Eric il n'est pas bien bavard là, à toi Eric. Ben, ça c'est vrai, ça c'est pas l'ombre de doute. Oh, c'est un petit jeu de mots. Non, mais je ne suis pas tout seul, hein, voilà. Il y a Fredo, on va retourner sur Fredo, tu vas tourner, vas-y Fredo. Je rigole encore, Eric, pas mal. Ouais, ouais. Et Jeannot, si tu savais le nombre de palombes que j'ai à la maison, si tu veux venir t'entraîner ici, là, avec les tourterelles aussi, il y en a en bagaille. Comme je donne à manger à mes poules, elles viennent manger le grain de mes poules. Là, j'en ai pour au moins une trentaine tous les soirs, là. C'est impressionnant. Ouais. Eh bien, écoute, Lito, c'est quand même mieux. Ah ouais, là, j'ai plus les oreilles qui saignent, là. C'est quand même mieux. Mais je me demandais si tu avais, entre ton micro et ton poste, là, l'équaliseur. Il me semble que tu en avais un. Et peut-être que tu avais gardé les réglages pour l'ancien micro ou je ne sais quoi. Et peut-être qu'avec un coup d'équaliseur, ça pourrait être mieux. Mais là, c'est vrai que... Alors le son du téléphone est volontairement coupé, hein, pour deux raisons, pour pas que ça fasse déjà cacophonie, et puis là c'est sur un téléphone, donc enregistrer ce qui se passe sur un téléphone, c'est pas très, faut pas, c'est pas bien, hachis. C'est très bien, mais tout dans les basses quoi, à fond dans les basses. Moi j'aime bien, mais bon c'est vrai que ça manque un peu d'aigu pour certains là qui ont des oreilles qui sont pas très sensibles, comme Jeannot par exemple, qui aime bien une intonation de voix bien plus aiguë. Avec l'âge ça se comprend, c'est normal. Moi encore ça va, j'ai encore l'oreille aiguisée, mais c'est quand même plus... T'as une voix un peu plus intelligible avec des aigus, quoi. C'est normal, hein, pour tout le monde pareil, je pense. Mais après, chacun a sa petite préférence, ça tire plus sur le haut ou vers le bas. Mais faut trouver le juste équilibre, quoi. Ça, c'est pas évident. Mais je pense qu'il y a moyen, avec l'équaliseur, là, de faire quelque chose. D'ailleurs, Eric, en parlant d'équaliseur et des trucs comme ça, il m'a semblé avoir entendu, je crois que c'est le deux qui m'avait dit, que t'allais changer des micros, toi aussi, non? Ouais, mais je compte aussi que je l'attends, c'est pareil sur Banggood, donc je l'attends. C'est un micro qui marche à condensateur, voilà, micro condensateur, il était sur Banggood, et je peux le brancher directement, il a une sortie 3-5 sur mon écoliseur que j'ai externe dessus, voilà, donc je l'attends, que je pars aussi. Eric, hey, faut bien parler à la radio, hein, parce que là, vous racontez des grosses conneries. Je pense que ça donne peut-être que tu auras besoin d'une alimentation fantôme. Il se peut que... J'ai enlevé un micro qui marche, c'est quand même bizarre, j'avais jamais vu, moi. Donc ça marchera, mais voilà, il n'y aura peut-être pas la patate espérée, ça à voir. Je ne sais pas comment ça va réagir là avec l'équaliseur. Ah, peut-être que justement, l'équaliseur peut... comment dirais-je, pas passer outre, mais voilà, moi le mien qui est du même style, hein, c'est la même cochonnerie, hein, que ce soit celui de Lido, le mien ou le tien, je pense que ça sort du même moule, il y a juste la couleur et quelques petites trucs qui changent. Il a fallu que je mette l'alimentation fantôme, 48 volts, voilà, c'est ça. Pour réussir à en tirer quelque chose. Bon là je ne l'ai pas branché, hein, j'ai avec le micro en main sur l'icône. Mais sur le 480, lorsque je pratiquais avec l'autre mécanique, il fallait brancher la ligne Phantom, donc à voir. Voilà. Si ça ne marche pas du coup du coup, souviens-toi-en et puis tu te diras. Ouais, bref, oui, là. Allez, bonsoir Eric, bonsoir le Pôle Station, c'est pour reconnu prénom.
Allez, Yannick, 73, j'espère que tu vas bien. Ah ben écoute, ça va. Voilà, j'ai rangé, j'ai fait la vaisselle. Donc là, j'écoute un petit peu WebSDR et puis j'ai mis avec le CRT. Bon, t'as réussi avec le DMR ? Eh bien écoute, je sais pas, on va faire des essais. Alors, j'ai suivi la procédure, mais on en reparlera, parce que je ne vais pas monopoliser là maintenant, si tu veux, en fin de soirée, on fera des petits essais, voilà. Mais je ne suis pas tout seul, allez, retour sur Rémi, non, Angèle, vas-y, tu vas tourner. Alors voilà, tout est en place, c'est bon. Alors voilà pour la dernière news. Alors Midland, vendredi dernier, a mis en place un logiciel qui permet de chatter vocalement via Internet. Alors le but de Midland, c'est de refaire découvrir de cette façon la Sibie aux jeunes. Et ils ont l'intention justement de faire des postes qui seraient compatibles via un micro à la d'un côté Sibi 40 canaux AM/FM, de l'autre côté en basculant via un bouton là sur le micro sur ce système qui s'appelle CBTalk Midland. Voilà. Alors CBTalk Midland s'installe sur les téléphones, les smartphones. Ah zut, je vais y arriver, sur les smartphones Android. Voilà. Alors certains ont voulu l'installer sur les trucs Windows et tout, évidemment, ça marche pas. Alors ils vont devoir attendre que Midland se décide à faire une application pour ces systèmes-là. Alors là, je parlais du micro là à l'instant. Alors le micro lui-même n'est pas encore sorti en France, c'est un micro dual mic. Alors rien que le prix déjà il fait peur, le prix serait avoisinant des 130 euros. Tout au long de la semaine, là j'ai discuté avec eux, j'ai discuté avec eux là sur le système et tout ça. Hier ou avant-hier, on a eu l'un des responsables de Midland France justement là dans le QSO. Il n'a pas répondu à toutes les questions, il y a des trucs qui sont un petit peu flous, il y a quelques petits soucis au niveau de l'application, parce que bon, évidemment, là, ça démarre juste, hein. Donc le temps qu'il profite un petit peu tout ça. Les trucs qui sont pas très appréciés, par exemple, sur cette application, c'est le système de géolocalisation qui est un peu trop précis, au point que depuis cette application, tu peux trouver quelqu'un qui est carrément... tu peux même aller voir la porte de la personne qui est en train de te parler pour dire à quel point c'est le système de géolocalisation est un peu trop précis. Alors tout le monde ou pas mal de monde ont demandé à ce que ça soit modifié. Maintenant, est-ce que Midland France va écouter? Enfin, pas Midland France, mais Midland Italie va écouter, on ne sait pas. Autre chose chez Midland, alors apparemment depuis 5 ans, ils ne font plus de postes multimode. Alors, on leur a demandé pourquoi. Alors, ils ont répondu que les postes multimodes, l'EDX, ça intéresse plus personne.
Ah bon, d'accord. J'ai pas l'impression qu'ils ont été écoutés vraiment en fréquence pour voir, pour pouvoir vérifier cette info. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que d'un autre côté, c'est un petit peu compréhensible, puisque qu'est-ce qu'on trouve chez les uns les autres au niveau là pour faire du DX? Eh bien, c'est soit des postes 10 mètres, soit des décamétriques. Voilà. Alors évidemment, pour de vrais postes CB multimodes, ça laisse plus beaucoup de place, quoi. La question a été posée, est-ce qu'ils vont faire des postes, est-ce qu'ils vont se décider à faire des postes multimodes avec possibilité de basculer sur cette application? On n'a pas eu réponse à ça. Pourtant, ça serait vraiment la solution, le poste parfait en fin de compte, puisque imaginez un poste multimode où au niveau du bouton, bah, tu bascules sur le logiciel de chat internet. Là, pour le coup, tu as tout en un. Tu as personne en fréquence au niveau local ou au niveau DX, tu bascules là-dessus, tu retrouves de suite du monde. Car le fonctionnement du logiciel, c'est du grand local, quoi, qu'on fait, hein. Et on peut même discuter avec les pays étrangers et tout, ça. D'ailleurs, il est fréquent que sur les canaux français, on entende, il y a les Italiens qui viennent nous voir, le Brésil, le truc comme ça. Alors, au niveau de nombre de canaux, pour la France, il n'y a que 3 canaux, là, pour le moment. Alors, on est pour, on est contre. Je sais pas, je pense que là, pour le moment, il faut laisser les choses se faire, se mettre en place, voir un peu la direction que va prendre Midland. Car, bon, c'est vrai qu'au cours de la discussion avec, avec l'officiel de chez Midland, on était un petit peu refroidi. Car, déjà, première remarque qu'il a fait, cette application s'adresse aux jeunes. Je vois que la plupart ont la cinquantaine. Déjà, première petite réflexion un petit peu pas très sympa. Après, il a critiqué le code Q, les QRZ. Pourtant, le code Q, il est fait pour une meilleure compréhension sur les ondes. C'est là aussi, ça a coincé un petit peu. Alors, qu'est-ce que cherche Midland au final? À éradiquer la vraie CB analogique, ou alors c'était un geste maladroit de l'officiel de chez Midland qui est venu nous parler. Je sais pas, je jugerai pas là-dessus. Bon, ce qui est sûr, c'est que là aujourd'hui, il faut laisser les choses se faire, laisser les gens apprivoiser ce logiciel CBTalk sur Android, hein, et voir un petit peu la tournure que ça prend. Alors certains ont d'excellentes initiatives comme vouloir faire un canal neuf là-dessus. Alors ça, c'est Didier d'Orléans. Il y a d'autres initiatives qui vont peut-être se faire dessus, à voir. Parce que j'espère, ce qu'on souhaite tous d'ailleurs, c'est que ce système ne vienne pas remplacer la CB. Parce que là, c'est faire fausse route. Hein. Et par contre, une autre news qui va un peu dans le même sens, les autres marques comme Président, Uniden, se lancent également dans cette course. Alors bon, c'est déjà que Président et Uniden font des postes multimodes, alors à savoir si eux vont savoir saisir le créneau pour ajouter ce même genre d'application avec. Si c'est le cas, et que Midland ne change pas leur fusil d'épaule, eux, par contre, risqueraient de perdre une sacrée part de marché, là, du côté de la CB, quoi. Là, j'ai fait un petit peu de tour, là, brièvement. Là, je suis pas trop rentré dans les détails, là, sur les différentes questions, les différents QSO qu'il y a eu tout au long de la semaine. Les avis sont partagés, certains ont carrément QRT l'application, parce que, à cause de ce truc de localisation. D'autres trouvent ça bien quand il n'y a pas de propague. Là, les avis sont vraiment partagés. Ce qui serait intéressant de voir, c'est maintenant dans les mains des jeunes, comment eux vont appréhender et apprécier le système. En espérant que ça fasse pas sur d'autres logiciels du même genre, style Zello et compagnie, où ça devient un véritable bordel dessus, quoi. Alors, je sais pas, c'est à voir. S'il y a des trucs à dire, des questions à poser, allez-y. Ouais, je comprends. Ok,
c'est intéressant. Après, je n'ai pas trop d'avis là, comme ça à chaud. Juste que s'il y a plusieurs marques qui se lancent dans le bazar, elles vont certainement avoir chacune de leur côté leur système à eux et ça risque d'isoler les gens dans une marque. C'est un peu le risque. Je crois que c'est un peu le souci de certains appareils pour faire de la transmission numérique du côté de chez les radios amateurs. Je crois qu'il y a des différentes normes qui sont propriétaires. Enfin, il y a des trucs qui sont libres, hein, mais il y a des trucs propriétaires où deux personnes qui veulent se causer, il faut qu'elles aient le même poste. Bref, voilà. Je sais pas, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus, je vais pas retenir plus longtemps, je sais pas, Eric. Lino, pour te signaler, si c'est parce que t'as branlé, mais t'as la radio, ça fait peine de craquement. Je sais pas ce que tu as. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as peine de craquement. Il n'y a pas que moi qui l'entends. Ouais, un petit commentaire, merde, quand il y en a, ça y est, Rémi, voilà. Mais si vous croyez attirer les jeunes à la radio comme ça, ça ne marchera pas. Parce qu'ils n'en ont rien à voir avec ce que vous parlez de bidouilles, de machins, de trucs, de ci, de là. Voilà, c'est mon petit commentaire à moi, c'est tout. Moi, je suis un peu comme Babas. Je ne sais pas si vous connaissez Babas de Bordeaux. Moi, je le connais très bien. Voilà. Mais ça m'étonnerait que ça attire du monde. Voilà, c'était juste ma petite gueule. C'est tout. J'en dirai pas plus. Allez, vas-y, Eric. Ouais, attends Eric, ouais mais moi là dedans je sers que d'intermédiaire, hein, c'est tout. Hein. J'informe, après les gens font ce qu'ils veulent. Pour ma part, comme j'aurais dit, je suis sur votre système en tant qu'observateur. J'ai pas dit que j'allais passer ma vie dessus, hein, j'aurais pas surtout pas laissé entendre que j'allais passer ma vie là-dessus. Que là j'étais simplement en tant qu'observateur, que de toute façon mes priorités concernant la CB ne changeraient pas à ce niveau-là, même si ça peut être la meilleure application du monde ou peu importe, à chier trois coups. Donc là c'est histoire justement de mettre au courant les EM là sur le sud-ouest, d'en discuter entre nous, voir un petit peu ce que tout le monde en pense. Créer la suite de QSO justement là-dessus avec les avis des uns des autres, quoi. Oui, retour Eric. Ouais, ok. Mais bon, comme je disais, je vais passer les micros à Jeannot, et puis tu feras tourner après sur Ludo, puis Fredo, puis tout le monde, hein, voilà, on va tourner un petit peu. Allez, vas-y, Jeannot. Et tu sais, moi, je vais te dire, Eric, là, comme Rémi, là, j'écoute, hein, j'écoute parce que je ne veux pas intervenir dans la technique, là, j'y connais pas assez, je me ferai peut-être foutre de moi, mais j'écoute, j'aime bien écouter, et puis, voilà, si j'ai des questions à poser, je les poserai, mais je ne suis pas vraiment un grand fort dans la technique, là, hein. Voilà, alors je fais tourner, là, et puis je reste à l'écoute. Par contre, entre parenthèses, là, je salue Yannick, là, hein. Je lui envoie les 73, là, je ne sais pas de quelle région il est. Ici, c'est l'opérateur Jeannot, là, sur Coquimont. Au sud-ouest, au nord-ouest, hein, nord-ouest de Marmande, là, hein. Coquimont, 16 km au nord-ouest, nord-ouest de Marmande, là. Ok, Yannick? Ok, il y a Yannick Bertrand, j'espère que Jeannot m'entend. J'entends sur WebSDR, hein, dans le squelch, mais ça passe, hein, j'ai bien compris. Donc 73 à toi. Donc pour te préciser, je suis à Yézine, la commune d'Yézine, à 3 km nord-ouest de Bordeaux. Voilà, ça c'est un point. Et puisque j'ai le micro, oui, je vais répondre, je crois que c'est Rémi. Oui, Rémi qui est très bavard, qui a parlé de Midland, pour inciter les jeunes à revenir sur la radio. Oui, le concept peut être intéressant, mais parallèlement, je ne sais pas si c'est Philippe ou Eric qui a dit, trop de modes, tous les modes. Moi qui suis un fan de numérique, de DMR, chez les radioamateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que, bon, moi j'écoute le relais de Vincent, les radioamateurs ici, j'écoute en DMR, mais eux se sont également divisés, en sachant qu'ils ont, chaque marque a sorti son mode, hein, Yelzou, c'est 4SM, le Destar et le DMR. Alors heureusement pour eux, en tout cas pour les radioamateurs, ils peuvent confirmer, ils arrivent
vient faire des passerelles, ou même si un radiomateur émet sur un mode, moi ici je peux l'entendre en DMR. Voilà, ils ont fait des passerelles. Maintenant, comment inciter les jeunes à venir sur la radio, si c'est trop compliqué pour eux, j'espère qu'ils sont refoulés. Et pour preuve, qui ont du mal à passer, comme disait peut-être Rémi ou Eric, à la base de 27 mégas, que ce soit en AM, FM ou BLU, c'est très simple, hein. Fréquence d'entrée, fréquence de sortie, et on appuie sur le micro et ça passe. Maintenant que c'est de nouveaux modes, c'est sympa, hein. Le DMR, pour ceux qui connaissent, quand ça passe, de la téléphonie, c'est super clair. Maintenant, il faut savoir paramétrer. Et je pense qu'Eric pourra en témoigner. Si on n'a pas toutes les bases et toutes les infos, c'est pas si évident. Mais après, quand on a compris, ça va tout seul. Voilà, donc concernant Midland, Rémi, bah, écoute, je ne connaissais pas. Mais j'espère que tu nous tiendras au courant de ce projet. Maintenant, est-ce que ça sera bien pour inciter les jeunes à venir à la radio? Bon, les jeunes, on sait qu'ils sont fans de nouvelles technologies. Mais il faut aussi suivre et bien s'adapter. Donc, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'était mon petit point de vue. Je retourne le micro à Eric. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je pense que je vais essayer de voir pour finir pour m'en sortir. Là, mais je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. J'aurais peut-être besoin de ces lumières, de ces connaissances. Voilà. Mais je te fais passer mon adresse mail et puis comme ça tu auras l'occasion de si tu as de quoi noter, je peux te la donner déjà. Alors attends, laisse-moi 10 secondes, je prends un papier, je prends ton adresse et après je lisserai la fréquence parce qu'on ne va pas monopoliser pour nos histoires de DMR, mais je te donnerai toutes les infos pour déjà qu'on puisse communiquer entre nous, sachant que là je fais des boutins jusqu'à minuit. Tu peux appeler sur n'importe quelle fréquence DMR, hein, la 8 ou DMR physique, je te dirai si ça marche, et après je te donnerai les infos pour pouvoir écouter. On a la chance d'avoir un relais numérique de radioamateur, je te donnerai toutes les infos pour savoir où et comment les écouter. Donc attends, laisse-moi 10 secondes, je prends un petit papier et je note ton adresse mail et je t'écris. Ok, tu me diras, tu me passes des presse. Ouais, préviens-moi, Eric, juste au moment où que je fasse une coupure, là. Non, mais c'est une adresse mail commune, c'est pour tout le monde. Tu vas voir, il n'y a rien de secret. Ouais, si, même les adresses mail, j'en veux pas, moi, de dans la vidéo, donc je ferai une coupure. Ok, pas de souci. Moi, je peux donner mon adresse mail, moi. Coupure vidéo faite. Oh merde. Ah, ok. Alors j'ai reçu l'adresse Coyote. Je ne sais pas s'ils avaient qu'un T ou deux. Sinon, je force personne. Ah, mais si vous avez une adresse mail qui ne risque rien, je suis prêt à écrire. C'est un vieux Eric. Ok, merci Eric du retour. Ouais. Attention les enfants, là, pas trop mélanger le numérique, internet, la radio. Hein. C'est bien trois mondes différents, c'est sûr. Mais bon, pour les jeunes, là, les petits jeunes, ouais, il leur est difficile. Le petit jeune, il a 30 ans, oui. Étant donné qu'ils ne connaissent pas la radio, déjà d'une part, le numérique encore moins, ils ne connaissent pas déjà à la base de la radio, ils connaissent que l'internet. Mais les passerelles internet, si on peut appeler ça comme ça, peut, à mon avis, peut-être pas en majorité, mais pour une portion de la génération d'aujourd'hui, l'internaute peut en amener sur la radio. C'est possible. Peut-être pas des soins et des mille, mais peut-être une petite partie. Donc pourquoi pas. De toute façon, ils sont déjà sur Internet, les grands. Donc, qu'ils aient Facebook ou Messenger ou autre comme moyen de communication, un de plus pour eux, voilà quoi, ça fera pas de différence. Mais s'ils utilisent un moyen de communication qu'ils utilisent déjà, qui peut leur permettre de venir sur la radio,
pourquoi pas. Pourquoi pas, la preuve, quand moi j'avais, quand j'avais lancé la passerelle, justement, Internet Radio, bon, il n'y avait pas foule, mais il y avait quelqu'un qui venait de temps en temps faire les QSO avec nous sur la radio. C'était pas de la radio 100%, c'était un mix des deux, mais voilà, ça a amené un petit plus. Que certains ont apprécié, d'autres non, parce que soi-disant ceci, cela, mais en attendant, la chose s'est avérée que ça a ramené du monde. Voilà, donc jeune ou pas jeune, de toute façon, il n'y a rien de compliqué, tout le monde y arrive, hein. La radio, c'était pour ça aussi, pour s'entraider. Il ne me semble pas qu'il y ait quelqu'un qui est resté au carreau sans pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Ouais. Bon, c'est un vaste sujet, hein, un vaste débat. Il y aura toujours, de toute façon, qu'importe le mode, numérique, internet ou radio, des satisfaits et des insatisfaits. Voilà. Ça fait partie du jeu. Après, pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, tant mieux. Donc, ça reste dans la communication. Mais c'est vrai, j'avoue quand même, comme on a déjà dit tout à l'heure, la multiplication des modes, je parle pour le numérique, la multiplication du monde, des modes, pardon, peut entraîner à parquer les gens à droite, à gauche, au milieu. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'est vrai, il y a des modes qui sont, comment dire, qui sont pas privés, qui sont ouverts à tous. Moi, je privilégie, qui n'est pas passé au numérique, ça ne me dérange pas, mais privilégier des modes qui ne sont pas comme celui de Yazoo, ou celui de Incom, ou celui de Kenyon, enfin voilà quoi. Là, ouais, là, ça risque de poser quelques soucis, d'éparpiller un peu tout le monde, et de se retrouver à ne rien entendre, parce que chacun est parqué dans son coin. Voilà, c'est un peu le point faible pour moi, le numérique. Voilà, à toi Ludo. Ouais, je vais faire tourner plutôt quand même, parce que bon, on est un peu nombreux. Je vais faire tourner le micro sur Angèle, et au passage, 73, Yannick. Je n'ai pas salué. Voilà. À toi Angèle. À qui t'as retenu le micro? À Angèle, mais je crois qu'il s'est endormi, c'est Achille. Oui, entre guillemets, c'est nous qui reprend. Je salue Yannick, que j'entends pour la première fois. Donc, ça fait plaisir, un nouveau voisin. On n'est pas loin, mais j'ai quand même du mal à te sortir. Hein. Voilà, je t'avais là sur le chat du WebSDR depuis quelques jours, là, et je t'entends en fin de vive voix. C'est quand même plus agréable. Je ne sais pas si tu m'entends correctement de ton côté. Donc, ben, moi, de mon côté, comme tu dis, je tends l'oreille. Voilà, je t'entends, mais très faible. Ben, au suivant. Ok. Ok, j'espère que non, c'est bon, je suis module personne. Alors, Ludovic, oui, je suis complètement d'accord avec toi là pour ce que tu disais tout à l'heure. Là, on a vraiment l'impression que les marques cherchent à isoler leur truc, à garder la main, le contrôle sur tout ça en privatisant et en faisant passer à tout prix par le numérique, par Internet. Et peut-être au final chercher à faire disparaître la CBI. Sauf que là, l'analogique, c'est un truc qu'on se servira toujours, surtout pour le DX. Et c'est là, à mon avis, où j'ai l'impression qu'il faut un petit peu fausse route. Alors là, aujourd'hui, il n'y a que Midland là, qui fait ça. Donc et puis il y a l'effet de nouveauté là, de ce logiciel. Donc là, tout le monde s'amuse comme des enfants là-dessus, ok. Mais d'ici quelques temps, ou à la prochaine vague de propague, comme hier par exemple, eh bien là je serais curieux de voir ceux qui resteront dessus. Mais autrement, oui, c'est un petit peu dommage de vouloir isoler comme ça les gens, attirer les gens d'un côté, là pour eux, les autres marques vont attirer les gens de leur côté aussi. Et bon là on le voit l'avenir de la CBI à ce niveau-là. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'il faut à tout prix que l'analogique reste là pour les contacts DX. Parce que c'est ce que tout le monde préfère aujourd'hui, le DX. Oui. Oui. Ah mais
ce que tu dis, bon, d'accord, c'est bon, je ne veux pas partir dans le sujet, je suis d'accord avec toi. Mais la CIVI, le principe de la CIVI, c'est quoi le principe de la CIVI? C'est un poste, une antenne, c'est, voilà, un câble coaxial, voilà, tu fais la CIVI, tu montes un truc, t'as la TI, t'as la TA, tu règles tes antennes, tu règles ton poste, tu parles, voilà, toi je t'entends, toi je t'entends pas, bon, mais c'est pas grave. Mais après, si vous passez par Internet, t'as la TI, t'as la... Pour nous, je vais pas citer les gens, mais pour nous, ce n'est pas de la radio, ça. C'est pour ça que dire des jeunes à venir sur la radio à faire de la CIVI, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Rien qu'avec un portable, si le gamin, il a Internet, déjà, il peut parler avec, parce qu'il y a des applications, il peut parler avec, mais c'est pas le principe de la radio. Je sais pas comment vous comprenez vous le principe de la CIVI de la radio amateur. Voilà, c'est celui-là qui est radio amateur, il est CIViste, voilà, je parle des deux. Mais pour moi, mon avis à moi, après ça regarde que moi, t'as un poste, t'as une antenne, voilà, on se parle, c'est très bien, voilà. Je vais pas t'écouter sur Internet, je vais pas te répondre par Internet, c'est mon principe. Alors, tu crois que les jeunes vont se casser les couilles? Faut qu'ils achètent une antenne, faut qu'ils achètent une câble coaxiale, tout le bordel, après il faut faire régler les antennes. Tu crois qu'ils vont se casser les couilles à faire ça? Non, j'y crois pas, moi j'y crois pas. Bon, mais après, voilà, c'est mon avis, hein. Ça regarde qu'à moi. Bon, mais la CIVI, c'est plus comme autrefois. Non, maintenant, c'est la CIVI, c'est comme vous parlez, la numérique, ou alors par SDR, tout le bordel. Ouais, tu m'entends, il y en a qui parlent à la radio, l'autre, il envoie un message avec le SDR. Bon, pour moi, ce n'est pas de la CIVI, ça. Moi, la CIVI, pour moi, la radio, c'est je te parle, tu me parles, je t'entends à la radio, c'est très bien. Je t'entends pas, mais c'est pas grave la prochaine fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant, je le dis. Pour moi, la radio, c'est ça. Ah mais de toute façon, je suis sur les ondes depuis 82, et là je suis entièrement d'accord avec ça. C'est sûr, la radio doit avoir une grande part d'improvisation, et c'est toujours ce que j'ai clamé d'ailleurs. C'est que ce soit contact locaux ou contact DX, il faut qu'il y ait une grande part d'improvisation. Et puis de toute façon, la radio, c'est un poste, une antenne, déjà. Et au-delà de ça, en plus, la radio n'a pas de couleur, n'a pas de race, quoi que ce soit. C'est tout le monde se parle là-dessus sans problème. Alors qu'en passant par une application XYZ, c'est... Oui, effectivement, c'est plus de la radio. C'est de l'Internet, tout simplement. Mais Midland, dans les écrits, mise sur, j'ai bien précisé dans les écrits, mise sur le fait de vouloir conquérir justement les jeunes avec cette application pour leur faire découvrir un CIVI. Mais est-ce que cette façon de voir est complètement honnête? Est-ce que par hasard, au bout du compte, ils chercheraient pas, au moins à leur niveau, à supprimer la CIVI? On peut se poser la question. Moi, je peux rien dire à ce niveau-là, car je suis pas dans les papiers, hein, loin de là. Mais ça, vu la discussion qu'on a eue là avec le représentant de chez Midland, là justement, là hier ou avant-hier, là en QSO, on peut se poser la question, car pour le coup, là, on a eu deux sons de cloche. On a vu les écrits sur Internet. Ah oui, c'est bien, ils veulent donner un nouveau côté à la CIVI, intéresser les jeunes, ceci, cela, ok. Mais quand on gratte un petit peu, est-ce que c'est tout à fait honnête? L'avenir le dira, de toute façon. Et maintenant, moi, j'attends de voir ce que les autres marques vont faire aussi de leur côté. Faire un petit peu le point sur tout ça. Voir un petit peu comment eux voient l'avenir de la CIVI. Moi, l'avenir de la CIVI, pour ma part, je le vois très bien, c'est un poste, une antenne. Mais eux, à leur niveau, il serait intéressant de voir comment eux voient ça. Attention,
attention là, ce Jeannot là qui reprend, excusez-moi, je vais vous quitter là. Je vais vous envoyer toutes mes amitiés là, Eric, Angel, Ludo, Rémi, Fredo, Yannick, Coyote là. Merci de votre bon accueil, bonne continuation, bon week-end et au plaisir de se retrouver. Les 73, bonne nuit. Les 73, bonne nuit. Allez, salutations, merci. Salut Jeannot, salut Yannick, merci pour un petit coucou. Salut Jeannot de Yannick 73. Plaisir est pour nous, Jeannot, nos plaisirs, ciao, bye bye. Alors là, je vais te faire deux réponses. Alors déjà, là, pour cette application, voici le genre de message que j'ai entendu. Bon, on s'en fout de qui ça vient, peu importe. Il est hors de question que je cite des noms là-dessus. Cette application est très bien car elle m'évite d'acheter un poste, de mettre une antenne en place. Alors voilà le genre de phrases que j'ai entendu plusieurs fois là sur toute la semaine que j'ai observé un peu là justement le fonctionnement là, et que j'ai écouté les QSO qu'il y a eu dessus. Et pour l'âge, eh bien sur mon forum La Planète Sibi Francophone, j'ai deux jeunes. Le plus jeune des deux, il a 12 ans. Et il a déjà en tête de passer sa licence radioamateur. Le suivant, il a 15 ans. Comme quoi, si les jeunes sont très intéressés. Mais il y a deux sortes de jeunes. Il y a les jeunes bricoleurs, bidouilleurs, qui s'intéressent à l'électronique et tout, et qui là, du coup, s'intéressent aussi à la radio. Et après, la très grosse masse de jeunes, c'était la génération smartphone Internet, où là, à mon avis, ils n'iront pas au-delà de l'application. Ils iront discuter dessus, comme sur Zello, je ne sais trop quel autre nom d'application du même genre. Voilà, ils iront discuter dessus, point barre. Le langage radio tel qu'on l'emploie, c'est sûr qu'ils vont eux, n'ont strictement rien à cirer, à mon avis. Alors peut-être que là, c'est à nous autres, anciens de la radio, si on peut dire ainsi, de les amener à voir autre chose, leur montrer autre chose, les prendre en main et leur montrer autre chose. Là, c'est peut-être là que nous tous, on a une carte à jouer, pour leur montrer au bout du compte ce que c'est que la vraie radio, quoi. Ouais, alors,
enfin, je reprends, puis après j'arrête. Oui, mais, oui, t'as raison. Ouais, il y a personne là qui te dit que c'est très bien avec Internet, parce qu'il n'y a pas besoin d'antenne à monter. Mais c'est très bien, je ne veux même pas savoir qui fait, qui c'est, je ne veux même pas savoir, oui, il t'a répondu, ouais. Mais c'est très bien s'il continue à faire de la radio comme ça. Mais pour moi, c'est pas un mec qui fait de la radio amateur, c'est pas un civil, c'est pas un radio amateur, non, le mec, il a un abonnement à Internet, et voilà, il écoute, il peut parler, bien sûr qu'il peut parler, mais pour moi, c'est pas important. Moi, je lui parle pas, ce mec-là, je sais pas qui c'est, puis je veux pas savoir, hein. J'ai contact. Deux gosses qui ont, moi, je te l'ai dit, hein, depuis quand je fais la radio, j'ai deux personnes qui m'entendaient parler, et ils me, break, oui, ouais. Ouais, mais moi, j'ai ça, mais je fais être franc, j'espère, si c'est enregistré, c'est pas grave. Ah ben, ouais, moi, je fais de la radio comme ça, ouais, mais tu sais pas, tu fais de la radio comme ça. Moi, carrément, va te faire enculer, je parle pas à des gonzes comme ça. C'est ce que j'ai dit, je te dis ce que j'ai dit, va te faire enculer, je parle pas à des mecs comme ça. Allez, bye, on n'en parle plus. Et puis, ça a été terminé. Ouais, c'est sûr, c'est la facilité. Non, moi, je parlerai avec les mecs le plus longtemps possible, jusqu'à temps que je crève, bien sûr. Mais moi, c'est un poste, une antenne, d'Alita. Si, c'est mon avis à moi. J'en connais plein que c'est de leur avis aussi. Bon, mais après, si on doit tous passer par le numérique, mais Internet, non, moi, j'arrête la radio. Moi, carrément, j'arrête la radio. Non, ça m'intéresse pas de faire de la radio par Internet. Non, pas du tout. Voilà, allez, hop, j'arrête. Salut, hop, la fête. Allez, on suit, non ? Allez, on n'est pas que tous les deux en QSO. Retour sur Ludovic. Tout à l'heure, justement, là, tu avais commencé à parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bon, déjà, je suis à peu près d'accord avec tout le monde. Il y a un courant, côté radio amateur, avec la partie numérique, c'est plus de travailler sur des réseaux un peu cellulaires, hein, tous les modes numériques, l'idée c'est de faire des réseaux maillés. Bon, voilà, c'est une expérimentation parmi tant d'autres. Moi, par perso, dans la radio, ce que j'aime bien, c'est justement les trucs qui marchent mal. Hein. C'est là où il y a de la recherche, hein. J'aime bien galérer à régler un micro, galérer à régler une antenne. C'est le plaisir que je trouve là-dedans. Hein, voilà. Et puis après, bah, c'est vrai que c'est Rémi, dans les jeunes, il y a les deux profils. Hein. Il y a ceux qui sont passionnés, qui s'intéressent à la bidouille, et puis bah, il y a les autres. Hein. Le jeune classique, voilà, qui a bon, le souci, c'est pas de. C'est plus de passer son bac que de s'emmerder à régler une antenne, et puis tout ce qu'ils veulent, c'est causer avec des gens. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est pas un réseau social moderne, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. Il y a des trucs qui sont passent par Internet, qui sont plus fiables, tout ça, bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, chacun trouve le plaisir sur là où il est, en fonction de ses intérêts. Donc moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur la radio. Je suis pas étonné, je trouve que c'est logique. Maintenant, bah, de toute façon, les jeunes ne savent pas ce que c'est que la radio, donc si personne ne leur explique, ils risquent pas de s'intéresser à la suite. Notre génération, c'est facile, on avait... Il n'y a pas beaucoup de monde à la radio, mais il ne doit pas écouter souvent, non. Pour communiquer, il n'y avait pas de téléphone portable, ou très peu, ou c'était très cher, donc forcément, ça drainait du monde. Aujourd'hui, l'intérêt est différent, donc si on doit faire revenir des gens qui profitent plus jeunes, ce sera, à mon avis, des bidouilleurs, principalement, et puis ce sera surtout des gens à qui on a expliqué ce que c'est que la radio qu'on a vu. Voilà, donc moi, mon gamin, il m'a vu tripoter la radio, il s'intéresse pas plus que ça, mais peut-être que ça déclenchera quelque chose chez lui plus tard. Voilà. Bon, c'est mon avis. Je suis assez d'accord sur le principe de dire que la radio, c'est la radio, quoi. C'est l'abréviation de radiofréquence. Hein, donc, je vais reprendre après, si ça ne dérange pas. Si on fait de l'Internet, c'est pas... Ok. C'est pas vraiment de la radio, même si y a des coopérations qui sont intéressantes. Hein, il y a des expérimentations de lier les deux technos qui sont un peu marrantes. Hein. Je parlais des radios amateurs qui font des réseaux maillés comme ça. Il y a des expérimentations qui sont
intéressantes autour de ça. Voilà. Donc bon, je sais pas si j'ai répondu trop à la question de ce que j'en pense. Mais bon, pour mon expérience personnelle, moi, les trucs qui marchent sur Internet, j'ai l'habitude, je fais ça toute la journée. J'ai plus envie d'un truc qui soit un peu plus rigolo, un peu plus capricieux. La radio, c'est vachement fun. Et puis pour finir, les trucs du style, je crois que c'est Mumble, hein, qui sont qui permettent comme ça de stimuler la radio. Je pense que les mecs qui ont programmé le logiciel Mumble, ils se sont marrés, ils se sont éclatés, c'est un super projet de recherche. Par contre, à utiliser, bon, tu passes par Internet, et voilà, ça marche. Tu vas pas être emmerdé à faire un logiciel qui extrait dégrade des conditions de fonctionnement. Donc, bon. C'est un peu comme comme essayer de faire une course à pied en faisant exprès de s'écorcher les jambes. Ouais, c'est la course à pied, toi tu choisis de la faire avec ou sans chaussures, mais bon bref. C'est un bon projet de recherche, je pense, mais c'est pas ça n'a pas plus utilisé que ça, à mon avis. Et par rapport à Midland et tout ça, tout tralala, je pense pas qu'il y ait aucun. Enfin, je pense qu'ils s'en foutent hein, de tuer ou pas la civile, ça change rien pour eux. Hein. C'est juste une entreprise qui, à mon avis, est en mutation. Ils cherchent une voie pour continuer à exister. Tout le monde fait du numérique aujourd'hui, tout le monde parle d'internet, etc., etc. Donc ils essaient juste de chercher une voie. À mon avis, c'est pas plus que ça, c'est une expérimentation. C'est une tentative de diversification juste pour survivre sur le marché, c'est tout. Que ce soit de la radio ou de l'internet, ils n'en ont rien à foutre, ce qu'ils veulent, c'est les clients. Et voilà. En plus, ils doivent avoir tous leurs électroniciens en interne qui doivent être sur le point de partir à la retraite, tous leurs ingénieurs, etc., pour concevoir des postes. Je ne serais pas étonné que ça commence à dégager leur retraite, donc à un moment donné, bah, ils doivent recruter les informaticiens pour. Voilà. Bon, ça, c'est une vision un peu rapide, j'essaie de faire court, hein, pour